Amen. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On n'acclame pas pour notre gloire. Mais on doit acclamer pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'il y a les enfants du Très-Haut ici? Est-ce qu'il y a un enfant du Très-Haut à cet endroit? Vous les enfants du Très-Haut, acclamons, donnez gloire au Seigneur. Le diable pouvait t'avoir quand tu étais dehors. Watu abakupashe kuona wakati. Shetani shukupashe kuona wakati wewe ulizaliwa. Excusez-moi, au lieu de combattre pour me capter, lui il s'est payé m'aider. Je ne vous disqualifie pas, je m'excuse. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Comme tu es déjà ici. Sasa usha kuingia humu. Tu es sous contrôle du Très-Haut. Uko chini ya ulinzi wa aliye juu. Comme tu es déjà ici, le diable t'a déjà raté. Shetani, alisha kukupusa. Tu es dans une ville de refuge. Usha kuingia mumuji ya ukingo. Où il y a un grand Dieu qui règne. Kuko Mungu mkubwa mwenye kutawala. Il y a la puissance omnipotente. Eko na uwezo yote. Là où il y a le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Wenye kuko Mungu ule aliumba mbingu na hii dunia. Alléluia. Amen. Le Dieu qui ordonne que le soleil se lève et se couche. Mwenye anaruhusu jua iamuke na ilale. Depuis que l'océan a commencé à couler, tangu bahari ilianza kushuka, il n'a jamais eu inondation. Akuya kuaka mai inazambalala. Ça montre sa grandeur. Na ile inaonesha ukubwa wake Mungu. Ça montre la grandeur de Dieu. Inaonesha ukubwa wa Mungu. Même sur les fleuves. Hata pa fleuve, l'eau coule. Mai iko na shuka. Est-ce que vous avez déjà appris que là-bas, là où ça part, c'est déjà y a l'inondation? Musha kushika kasema kule mai na shuka inayala inaingiana manyumba. L'eau peut déborder mais n'a jamais eu l'inondation. Inaweza kuvuya vile lakini haitapita hatua. Ça montre la capacité de Dieu. Na ile inaonesha kwamba Mungu ni muweza. Est-ce que vous le faites confiance ce soir? Eti mnaweza kumtumainia hii magharibi? Est-ce que vous faites à Dieu confiance ce soir? Mnaweza kutumainia Mungu hii magharibi? Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa yule anapoamini. Je lis la parole. Tasoma neno. 1 Samuel chapitre 4. Samuel wa kwanza sura 4. Le verset 16 jusqu'au verset 21. Mstari wa 16 mpaka 21. Nous lisons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus. Tunasoma mundine adamani ya Bwana wetu Yesu Kristo. J'aimerais que vous puissiez vraiment dire à Dieu. Napenda kweli mpate kuonesha Mungu. Que avant que ton serviteur termine ici les réunions de prière, ya kwamba mbele ya mtumishi wako kumaliza ima mkusanyiko ya maombi, Seigneur, fais pour moi quelque chose. Bwana na kuomba unitendee kitu fulani. Avant que je termine le dimanche, mbele ya mkumaliza siku ya yenga, dis à Dieu, ambia Mungu, fais pour moi quelque chose. Unitendee jambo fulani. Toi, tu n'as jamais fait quelque chose au hasard. Ouais, awi afanyaka kitu kwa bule. Tu connaissais qu'aujourd'hui il allait nous prêcher. Ulijua kusema huyu bwana alipaswa kutuhubiri leo. Il allait nous parler de toi. Alipaswa kutusemezea juu yako. Mais avant qu'il termine, Seigneur. Sasa mbele amalize ima mkusaniko. Faites-moi quelque chose. Unitendee kitu fulani. Réponds à ma grande prière. Jibia kwa maombi yangu kubwa. Toi le Dieu qu'on a entendu parler. Wewe Mungu mwenyewe tulishasikia bado tumeko nasema. Que tu sois tangible. Uonekanishe. Que tu sois palpable. Watu bakuone. Dans ma vie. Mu maisha yangu. Quitte l'histoire. Toka mwadisi. 1 Samuel chapitre 4. Samuel wa kwanza sura 4. Le verset 16 à 21. Usara 16 mpaka 21. Nous lisons dans les noms précieux notre Seigneur Jésus-Christ. Tasoma mudine adamani ya Bwana wetu Yesu Kristo. L'homme dit à Élie. Ule mtu akaonesha Élie. J'arrive du champ de bataille. Mina tokea kushamba ya vita. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Nikutokea kule kushamba ya bataille ya vita ndio mimi nakimbia leo. Élie dit. Élie sema. Que s'est-il passé, mon fils? Ninini nafitikana kule mtoto yangu. Celui-ci, c'est lui qui a porté la nouvelle dit en réponse. Mwenye alikuwa analeta habari akajibia kusema. Israël a fui devant les Philistins. Israël anapita mbio mbele ya Wafilistini. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Na taifa inapigiwa nguvu. Et même tes fils.
Ophni et Phinée sont morts. Ofni na fineni benye kufwa. Et l'arche de Dieu a été prise. Na sanduku ya agano ya Mungu bana inyanganya. À peine qu'il fait mention de l'arche de Dieu. Wakati tu alitaya sanduku ya agano ya Mungu. Eli tomba de son siège à la renverse. Eli akanguka kutoka pa kiti chake kipindupindu. Et à côté de la porte. Na pembeni ya mulango. Il s'est rompu la nuque et mourit. Akafundika shingo na akakufa. Car c'était un homme vieux et pesant. Alikuwa mtu mwenye alikuwa chakuzeka. Alikuwa na uzito. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Alikuwa muamuzi mule mu Israël miaka 40. Sa belle fille, femme de Phinée. Était enceinte sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu. Wakati alipata ile habari ya kusema bana nyanganya sanduku ya agano ya Mungu. De la mort de son beau-père et de celle de son mari. Na ya kifo ya mko yake na bwana yake. Elle se courba et accoucha. Akainama pale pale na akazaa. Car les douleurs la surprirent. Kwa sababu maumivu ya buzazi ilimstusha. Comme elle allait mourir. Jinsi alikuwa karibu na kufa. Les femmes qui étaient auprès d'elle lui dit. Wanawake wenye walikuwa pendeni yake wakamwambia. Ne crains point car tu as enfanté un fils. Usiogope kwa sababu unazaa mtoto mwanaume. Mais elle ne répondit pas. Na asikujibie. N'y fit pas attention. Na asikutia angalisho kuhile. Elle appela l'enfant Ikabod. Na akaita ule mtoto Ikabod. En disant. Mukusema. La gloire est bannue d'Israël. Utukufu inaondoshwa ndani ya Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu. Ilikuwa ni juu ya kunyanganywa kwa sanduku ya agano ya Mungu. Et à cause de son beau-père et de son mari. Na juu ya mko yake mwanaume na juu ya bwana yake. Elle dit la gloire est bannue d'Israël. Akasema utukufu wa Mungu inaondoshwa mu Israël. Car l'arche de Dieu est prise. Kwa sababu sanduku ya agano ya Mungu bana inyanganywa. On va incliner nos têtes. Notre précieux président des champs peut nous donner. Je sais. Mon rédempteur est vivant. Je tiendrai cette espérance jusqu'à la fin. Je sais. Je sais, mon rédempteur est Monsieur, c'est la terre. Toi, l'ange du Seigneur. Toi, la capitaine à cette étoile.
toi la puissance vivifiante, toi le Dieu qui relève les défis, toi qui marchais en Galilée, produisant des œuvres surnaturelles. Nous voici sous cette tente, en train de t'invoquer, toi le grand Elohim. Toi, elle est là, Elohim. Toi, l'ancien des jours. Il y a tes enfants ici dans la salle. Notre Dieu, que le diable a écoffré dans sa cave. Mais toi, tu nous as dit dans cette parole, il y a la puissance vivifiante. Il y a un Dieu qui libère. Il y a un Dieu qui relève les défis. La médecine peut incliner ses responsabilités, mais pas toi, Seigneur. Tu tiens ta parole. Laisse que ce soit, prends l'autorité dans l'auditoire. Tout esprit contraire à ton esprit. Les démons de l'incrédulité à la parole. Les démons de l'ange. Les démons des sirènes. Les démons des sorciers, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, puissent libérer l'auditoire. Que la puissance de la résurrection prenne le contrôle. Quitte les citations. Quitte la Bible, Seigneur. Sois rayé là tout un chacun ce soir. Libère ce peuple. Redonne la joie. Qu'il sache que tu es Dieu. Merci de l'avoir exaucé. Merci de m'avoir exaucé, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois les acclamations. Pour la gloire du Père. Et pour notre joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Priez de vous asseoir. Ne vous en faites pas oublier votre état. Oubliez votre état. Même si tu es malade, oublie ton état de la maladie. Même si tu as une situation, oublie cela. Le Seigneur est déjà sous contrôle. Nous sommes toujours en train de parler sur Ikabod. Qui doit devenir Kabod? Et nous avons parlé de la chute. Nous avons parlé de la défaite que Israël avait connue. À cause de quoi? De la prise de l'arche. Israël est resté avec l'arche sans puissance. Où les Philistins sont venus, ils ont récupéré l'arche. Un peuple sans puissance. Un peuple sans surnaturel. Mon frère, ma soeur, même parmi nous ici, tout le monde a les brochures dans les téléphones. Tout le monde a la Bible dans les téléphones. Mais où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu qui est dans ces brochures? Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu de Branham? Sur cette chair, combien de sermons as-tu attendu? Combien de hommes de Dieu ont prêché ici? Mais pourquoi? Pourquoi? Ce Dieu-là ne se laisse pas voir. Dans les maisons, nous restons seulement avec des photos. Oh, la photo d'Offman. Oh, une photo d'Offman. La photo de Frère Branham. Une photo de Branham. La photo de la Niwe. Une photo de Wingo. Mais où est ce Dieu-là? Où le Mungu? Eko wapi? Où est cette puissance vivifiante? Où est le Dieu qui répond à la prière? Où est le Dieu qui a les oreilles qui attend la prière? Où est le Dieu d'Eli? Sur la montagne. Kumulima. Sur le mont Carmel. Kule kumulima Carmeli. Soit c'est votre Dieu de bas. Qui
qui est puissant. Soit c'est mon Dieu qui est puissant. Il y a les gens qui ont des maladies. Ils ont pris des produits, il n'y a pas les résultats. La maladie peut défier les produits. La maladie peut défier le médecin. Mais la maladie ne peut jamais défier Jésus-Christ. Mais ce soir, le Dieu de la guérison divine doit relever les défis. Qu'est-ce que je peux lire ici que vous n'avez jamais entendu? Il y a de bons docteurs qui ont passé sur cette chaire. Il y a de bons enseignants. Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Mais nous voulons que le Dieu des écrits ici soit réel. Le Dieu des Écritures, le Dieu des promesses infaillibles, l'arc-en-ciel à cette couleur, les rayons, les dieux, soit tangible ici. Ça va vous servir à quoi? D'avoir tant de connaissances, de sauter. Kuluka, mais sans le palper. Lakini bila kugusa Mungu. Moïse a dit non. Moïse akasema hapana. Moi je ne peux pas aller en Égypte. Siwezi kwenda ku Misri. Tant que je n'ai pas palpé la réalité. Kama misha onja kitu kya kweli. Donne-moi les signes si c'est toi. Unipatie maalama kama kweli ni wewe. Alléluia. Amen. Donne-moi les signes. Unipatie maalama. Si réellement c'est toi. Kama kweli ni wewe. Si réellement c'est toi qui envoies, si réellement c'est toi le grand je suis. Si réellement c'est toi le Dieu d'Abraham, Ibrahim, qui lui a visité dans la chair humaine, est-ce que moi je suis différent d'Abraham? Abraham me dit, nous sommes formés de la même matière. Et le sang qui était versé au bois de calvaire, c'était aussi pour votre expiation. Vous avez droit à toutes les bénédictions de Dieu. Mais où est ce Dieu-là? Le prédicateur, son travail, c'est faire quitter Dieu dans des brochures. Lui est allé ici. Jésus a dit aux disciples, allez prêcher, guérissez les malades. Branham dit la bonne nouvelle, c'est la démonstration de la puissance. Alléluia. Amen. Vous verrez mon Dieu ici. Vous verrez que ça, je ne raconte pas les histoires. Si j'ai été appelé à prêcher, si Dieu me connaît, si j'ai le Saint-Esprit, vous allez le palper ici. Alléluia. Alléluia. Vous allez le palper. Branham dit, ça c'est quoi ça? Nous sommes restés avec tes connaissances. Tu n'as pas qui a pas au septième saut. Tout ça, le tonnerre. Oh, Muri. Mais tout ça, ça t'a apporté quoi? Yo te ile. Il n'a coulé à Nini. Qu'est-ce que tout ça, ça t'a apporté? Yo te ile Mienguruma na Muri. Oh, le tonnerre révélé. Oh, Muri. Mienguruma Saba. Tout le monde veut prêcher, veut être prédicateur. Bote, ben à peine quoi, Baobi. Est-ce que vous allez démontrer Dieu? Parce que le peuple a faim. Les enfants de Dieu, ils ont tellement faim. Lisons Frère Branham. S'il y a une situation qui a défié ton docteur, s'il y a une situation qui a défié même ta prière, je parle de ta prière. Mais il y a quelqu'un qui a aussi un contact facile avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, tel que vous me voyez ici, je suis élevé par la main puissante de Dieu. Ma mère était brûlée quand j'avais l'âge de 7 mois. Mama yangu alilungulaka wakati nilikuwa na miezi saba. Elle a fait 10 ans à l'hôpital. Alifanyaka miaka mbili kwa hospitali. Et après on m'a pris, on a donné une maman qui a alerté pour qu'elle me donne les seins.
Kisha bananibeba bananipatia mama moyo ili aanze kuninyonyesha. Na ule mama alikatalaka kuninyonyesha. Elle m'a donné le premier jour. Ananyonyesha siku ya kwanza. Le deuxième jour il a eu l'influence de quelqu'un d'autre qui lui disait. Siku ya pili mama moyo kuchonganisha anakuwa mwanamke. Toi tu as ton enfant, tu allaites encore l'enfant d'autrui. Wewe una mtoto yako unaanza kunyonyesha tena babaye. Lorsqu'il m'a remis entre les mains de mon papa. Pala alinirusha mikono ya baba yangu. Son enfant était mort. Mtoto wangu yari kufaka. Et la journée suivante la maman était morte. Na siku ilifuata ule mama naana kufa. Frère, je ne suis pas ici pour blaguer. Na mimi sina hapa kwa mizaha. Je suis là pour vous donner le Dieu réel. Niko hapa njoo kumletea Mungu wa kweli. J'ai ma carte pour vous donner un Dieu réel. Mimi niko hapa njoo kumletea Mungu wa kweli. Alléluia. Amen. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Mimi kunajitolea sana. Que d'autres ne peuvent pas le faire. Usindie bengine ile abaweza tafanya. Mais je crois. Lakini mimi naamini. Mon Dieu ne me laissera pas ici. Mungu wangu asanyachaka hivi asanipotee. Hata kama uko kipofu. Tu vas voir. Utaona. Alléluia. Alléluia. Même si tu es aveugle. Attends comme on kipofu. Même si tu es boité. Attends comme on kipofu. Tu vas marcher ici. Utatembea. Amen. Oh Seigneur. Eh Bwana. On a porté un enfant qui était empoisonné 7 fois. Banaleta mtoto mwenye balimwekea sumu mara 7. Quand je faisais la campagne au stade là-bas Kalemi. Pale nilikuwa nafanya kampeni kule kustari mkalemi. Empoisonné, transporté presque mort. Alikuwa karibu na kufa basi mwekea sumu mara 7. Je priais à distance. Niliomba tu kwa mbali. Et l'enfant s'est tenu debout, l'enfant marchait. Na mtoto akasimama pima na akaanza kutembea. Si c'est que je témoigne la vérité. Kama hiki mimi nashuhudia ni kwa kweli. Que Dieu confirme quelque chose ici. Mungu azibitisha kitu moja hapa. Que Dieu vous touche là vous êtes. Mungu akuguse pale huko. Que la puissance de la résurrection. Uwezo wa ufufuko. Envoyez le auditoire. Ndiye ndani ya hii hekalu. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère Branham parle. Donc maman qu'on a sema. Dans la prédication. Ndani ya mahubiri. Le puissant conquérant. Mshindaji mkubwa. Prêché le 10 juin 58. Yenye kubira mtarehe 10 mwezi wa 6 1958. Nous les enfants du réveil. Sisi watoto ya wamsho. Les enfants de Branham. Sisi watie watoto ya Branham. La foi des gentils. Imani ya watu wa mataifa. La foi des gentils. Imani ya watu wa mataifa. Il croit dans la parole. Ni banaamini neno. La foi des juifs veut aussi voir. Imani ya Bayahudi ni kuona. Même moi j'aime un Dieu que je peux voir. Hata mimi napenda Mungu ule mimi naweza kuona. J'aime un Dieu que je peux parler avec. Napenda ule Mungu mimi naweza kuzungumza naye. Amen, amen. Amen, amen. Oui, j'étais à l'uputa quand je prêchais. Nilikuwa kuluputa wakati nilikuwa naluputa dans une maison à 23h. Musa à 23h. J'ai entendu une main me toucher. Mimi nashika mkono inanigusa. Et la voix m'a parlé. Na sauti kanisemezea. Je crois que ce soir. Na mimi nasema hivi magharibi. Je ne suis pas seul. Mimi sina mimi peke. Alléluia. Amen. Ce soir. Magharibi. Amen et tabe. Amen maskani. Vous êtes avec Dieu ce soir. Uko na Mungu hii magharibi. Alléluia. Alléluia. Que ce soit la malédiction. Hata kama ni laana. Que ce soit les ciels bas. Hata kama ni bumbaraka. Que ce soit les lieux familiaux. Hata kama ni mifugo ya jamaa. Que ce soit les poursuites familiales. Nijapokuwa mafupuzi ya mafamilia. Mungu yuko hapa. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. Dans la prédication le puissant conquérant prêché le 10 juin 58. Dans il est maubiri yenye kubira mu 1958. Paragraphe 33. Paragraphe ya 33. Frère Branham dit ceci. Ndugu mama nasema hivi. Il y a jamais eu une personne. Akuya kuaka mtu. Qui a vaincu comme notre Seigneur Jésus Christ. Mwenye alipigana vita na kushinda kama vile Bwana wetu Yesu Kristo. Est-ce qu'on peut dire amen là-bas? Unaweza kusema amen na kui? Branham dit. Branham anasema. C'est dont ce monde a besoin. Yenye dunia ama ulimwengu iko nayo lazima. Le monde c'est ce que toi tu as besoin. Mna kile wewe uko nako lazima. Qu'est-ce que ce monde a besoin? Ni kinini hii dunia iko nayo lazima. Frère Branham dit. Ndugu mama anasema. C'est une réalité. Ni kitu kia kweli. Le monde a besoin d'une réalité. Dunia iko lazima na kuona kitu cha kweli. Branham anasema na unaishia pale. Le monde a besoin d'une réalité. Dunia iko lazima na kuona kitu cha kweli. Ukweli. C'est la chose palpable. Kitu cha kupapasa. La chose qu'on peut voir. Kitu kenye watu wanaweza kuona. La chose qu'on peut toucher. Kitu kenye watu wanaweza kugusa. Il y a une sœur. Kuko dada moyo. Qui priait au niveau de Sunset. Alikuwa anaomba mu Sunset.
Là où il y a le pasteur qui est mort au niveau de golf. On m'a montré chez lui dans une vision. Il est venu me chercher. Un jour, il m'a trouvé devant l'église. J'étais là en train de me reposer. J'avais beaucoup de travail ce jour-là. Mais elle avait un problème des yeux. Elle ne pouvait pas voir. Les yeux voyaient flou. Elle avait flou à l'oreille. Flou aux yeux. Elle est venue pour que je prie pour lui. Je lui ai dit, ma soeur, je suis fatigué. Minachoka. Si tu peux venir demain. Elle a fait tes pas. Elle est revenue, elle m'a dit, pasteur, est-ce que je ne peux pas même te saluer? Malgré tu es fatigué. Est-ce que je ne peux pas même te saluer? Je dis, il n'y a pas de problème, saluez-moi. Mais elle avait la foi. Quand elle m'a salué, dis pas. Les flou qui t'as les yeux. Sans la prière. J'ai expérimenté un Dieu réel. Et je veux vous le transmettre. Je veux vous le transmettre. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. J'aimerais que tout le monde dise ça. Qu'il est ressuscité, ce n'est pas une faveur, c'est un mérite. Est-ce que Jésus n'est pas ressuscité? Mais pourquoi tu ne peux être mou comme ça? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité de mort. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus-Christ. Qui est cet homme? Jésus-Christ. Acclame très fort. Tu me changes en gouffre. Oh Seigneur. Buana. Elle m'a salué seulement. Où les dates? Akanila mukia tout. Le flou quitta. Il est mort sur Kouana Mzuri. Sans la prière. Bila mikumombeya. Je sens comme si ma veste s'est détachée. Sans la prière. Sans la prière. Bila mikumombeya. Bila kumombeya. Là c'est ravi. Dada anaza Kouana Mzuri. Est-ce que ce Dieu-là ne peut pas faire aussi pour toi? Je. Où les mungu? Elle avait besoin des cieux. Peut-être toi tu as un autre besoin. Le même Dieu l'a été. Le même Dieu l'a été. Tu peux le sentir. Unaweza kumsikia. Alléluia. Alléluia. Branham dit. Branham anasema. C'est dont le monde a besoin. C'est une réalité. C'est dont ce monde a besoin. Ce soir, c'est de quelque chose qui est significatif. Oh Branham, marchez comme ça. Moi j'ai un besoin. Fais-moi quitter le Dieu de Branham. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut enterrer. Aina mutu yote ule tunaweza kuzika. On ne peut pas enterrer tout le monde. Atuwezi kuzika tu bote. Parce que la prière de la foi change mais la décision de Dieu. Maombi ya imani inabadilishaka hata mapango ya Mungu. Dieu avait décidé que Lazare soit enterré. Mungu alibebaka mpango asema Lazare azikwe. Mais Marthe s'approchant devant Jésus. Lakini Marthe alimkaribia Yesu. Il dit maître. Akasema mwalimu. Si tu étais ici. Kama ungekuwa hapa. Il savait qui était ce maître. Il savait sa puissance. Il savait sa capacité. Et ce soir, je connais le Dieu que je vous prêche. Il est puissant. Il est capable. Il est réel. Amen. Si tu étais ici. Kama kweli ungekuwa hapa. Si tu étais ici. Kama ungekuwa hapa. Jésus a dit comme tu as dit. Yesu akasema sasa hivi unasema hili. Oui, il sera ressuscité. Ndio atafufuka. No. Hapana. Je crois que au dernier jour. Mimi naamini atafufuka mwisho. Jésus a dit maintenant. Yesu akasema sisi sema sisi mwisho hapa sasa. Je vais changer ma décision. Oh, kama unaamini nitabadilisha mpango wangu. Si tu crois je vais changer ma décision. Kama unaamini mimi naweza kubadilisha mpango wangu. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut enterrer. Aina bote ndio wanaweza kuzika. Jamais. Hapana, kama. Même l'enfant qui était craché. Hata ule mtoto alikuwa baba.
J'ai ramassé des viandes pour enterrer. Mais Dieu est dans cet homme Branham. Il est passé. Je lui ai dit, c'est la vision que je t'avais montrée. Il a dit, ramassez-moi toutes les viandes. Si l'enfant ne ressuscite pas, écrivez sur mon dos. Branham est vos prophètes. Si la foi ne se réveille pas, ce n'est pas tout le monde qu'on peut enterrer. Branham a connu l'accident avec Meda. Branham a fait un accident avec Meda. Meda presque morte. Meda est caribou na kufa. Branham dit on ne mourra pas le même jour. Branham a dit malgré moi c'est mon temps. Il a dit à son fils, prenez la main de votre mère. Mettez dans ma main. Mettez dans ma main. Il y a la transmission de la puissance. Il y a la transmission de la vie. Et ce soir, le Dieu là est ici. Où le Mungu est quoi? Ce soir, le Dieu est là. Mungu est quoi? Cherche l'homme qui croit. Cherche l'homme qui croit. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas faire les funérailles de tout le monde. Tu es zikabote sur moya. Non. Apana? Non. Apana. Il y a un Dieu dans les camps. Kuko Mungu nani akambi. Comment on saura qu'il ressuscite les morts? Tutayua je ya kusema huyu Mungu anafufulaka wafu. Comment on saura? Tutayua je. Dans le ministère. Muhuduma. De passer Barut. Ya passer Barut. Combien de morts sont ressuscités? Ni bafu ngapi benya alifufula. Mais quelqu'un qui est tombé du balcon mort sur place. Tu anangua ku balcon anakufa pale pale. Barut prie la va revient. Barut anaomba. Mtu anafufuka. Je vis ce Dieu là. Mimi niliona ule Mungu. Quand j'étais à Kinshasa. Pale nena Kinshasa. Une sœur de mon église est morte. Dada mkanisa wangu alikufa. Oh son mari m'a appelé pasteur. Bwana yake akaniita pasteur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tutafanya nini sasa? J'ai dit allez-y la mettre dans la chaise là où je me suis toujours assis devant. Nikasema mubebe ule dada. Mwende mumuikarishe pa kiti ile mimi nikariaga mkanisa kule. Allez la faire soir. Mumuikarishe. Sur la chaise que je me suis toujours assis. Pa kiti kile mimi nikariaga mkanisa. Kala sera là-bas. Elle revient à la vie. Frère, nous, si tu n'as jamais écouté le Dieu de Branham, j'ai écouté ce Dieu-là. Quitte la théologie. Quitte la théologie. Parle pas en rien. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui va me donner le courage de prêcher? Qu'est-ce qui peut nous donner le courage de prêcher? Il y a un frère, un grand patron au centre-ville ici. Il a beaucoup d'argent. Il a fait cette naissance, les filles. Elle est venue dans mon église. Il y a quelqu'un qui lui a parlé. Il est venu. Dans sa jupe, il y avait la farine, il y avait d'huile, il m'a apporté l'enveloppe. Il dit, pasteur, ma femme a 8 mois. Bibiangu eko na mimba isha kwa miezi nane. Na njo mimba ya nous sommes allés faire encore tous les échos possibles. C'est toujours une fille. Banatuambia sema ni mwanamke. Même moi j'ai vu les sexes. Ata mie niliona. Mais je suis venu. La mina kuya. Mettre ton Dieu ici au défi. Mina kuya kuchokoza mbele huyu Mungu wako. J'ai regardé le frère. Nikaangalia ule ndugu. J'ai regardé le frère. Nikaangalia ndugu. J'ai regardé le frère. Nikaangalia ndugu. Je me prie elle dit avant de prier. Nikatafuta kuomba lakini je suis venu comme la reine de midi. Mbele ya kuomba sema mimi nakuya sasa ule malkia wa kumidi. Voici mon enveloppe. Enveloppe yangu yoyo. Voici la farine. Bunga bobo. Voici l'huile. Na mafuta yoyo. J'ai regardé. Nikaangalia. J'ai prononcé un mot. Nikasema msemo. J'ai dit Seigneur. C'est ma bonne. Tu es capable de changer les sexes. Et tu donnes à tes enfants selon les désirs de leur cœur. Na na au nom de Jésus, je change les sexes. Alléluia. Alléluia. Je change les sexes. Ce Dieu là, je l'ai apporté ici. Hey, ce Dieu là, je l'ai apporté ici. Ni mena muleta hapa.
Là, c'est là que c'est un garçon. Dada akazala mtoto mwanaume. Le frère m'a dit. Nduko akanyambia. Choisissez un autre endroit là où je peux vivre, bâtir un autre tabernacle pour toi. Chakula fasi nyingine ili mimi niweze kukujengea kanisa. Dieu fait encore. Mungu angali natenda. Dieu agit encore. Mungu angali natenda. Il y a une sœur qui avait un enfant. Kuko dada mwanaume. Déjà pourri 4 mois. Mtumbo mtoto asakoza miezi 4. Le médecin dit. Wambia minganga bakasema. On enlève ces saletés là. Batoshe ile buchafu. Dieu est descendu à moi. Mungu anashuka ndani mwangu. Demande lui. Umuulize. Est-ce qu'il va accepter? Ataitika? Commette dans l'eau tes salives. Baweke mumai yako mate. Qu'elle boive. Ule dada akunywe. Je dis nikasema dada. Dieu a dit. Mungu anasema. Qu'on puisse mettre dans l'eau. Asema niweke mumai yako. Commette mes salives. Niweke mate yangu. Frère Samuel, tu connais cette histoire? Ndugu unajua ile mambo? La femme de frère Billy. Bibi yake ndugu Billy. Le frère a quitté Kasumbalesa pour moi. Ndugu alitoka Kasumbalesa juu yangu. Elle a même déménagé pour cela. Anaama na kwama juu ya ile mambo. Je prie l'eau. Mina beba mai. Je sanctifie. Mina omba, mina je place les salives, je donne à la sœur de boire. Mina tema amo mate, mina patia dada akunywa. La sœur a bu. Dada anakunywa. La sœur est venue le matin, elle m'a dit. Asubuhi dada anakuwa anakunywa. Pasteur. Pasteur. Vers 4h. Musaa 4h. Vers 4h. Musaa 4h. Vers 4h. Musaa 4h. Vers 4h. Musaa 4h. J'ai senti quelque chose en train de bouger. Nilisikia kitu mwingine natingizika mtungu. Le Dieu de la restauration. Mungu akurudisha dupia. C'est qu'ensemble. Na, c'est que souterrain. C'est quand si l'on te volait. Moi je restaurerai. Alléluia. 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 La sœur a donné l'essence. Un enfant complet. Mutoto kweneyana. Un Dieu qui défie la médecine. Mungu mwenyewe. Eko yulu ya médecine. Si c'est que je dis la vérité. Kama hii mimi nasema ni bya kweli. Vous. Mwei. Vous verrez. Mwepeke mutaona. Vous. Mwei. Vous verrez. Mutaona. C'est le temps de votre consolation. Ni wakati ya wewe kupata faraja. C'est le temps de votre visitation. Ni wakati ya faraja yako. Dieu va vous essuyer des larmes. Mungu anapaswa kupanguza machozi. Il est le compatissant. Yeye ni Mungu wa huruma. Il est le miséricordieux. Ni Mungu wa rehema. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Eh Bwana. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Oh. C'est donc ce que le monde attend voir en vous les chrétiens. Kile dunia ulimwengu unachunga kuona ndani yenu mwebele mnajita ba Kristo. C'est que le monde attend voir à vous les chrétiens. Ile ulimwengu unachunga kuona mwe ndani yenu ba Kristo. Quelque chose d'authentique. Ni kitu kya kweli. Les gens en ont marre de vous voir jouer à la religion. Bantu basa kuchoka kumiona Mungu anafanya kidini. Les gens en ont marre. Bantu basa kubichoka. De vous voir jouer à la religion. Kumiona Mungu anacheza mukidini. Alléluia. Amen. Dans mon église, Dieu m'a dit tu n'enterres pas. Mukanisa yangu Mungu aniambia hautazika. Jusqu'à ce que je vais parler. Mpaka wakati mitasema. Mais le frère qui m'accompagne ici. Hata huyu ndugu ananisikiliza. Il a connu un accident, il est entré en dessous des véhicules. Alipata msiba, aniingia chini ya motoka. C'est un motard, il est entré là-bas. Ni motard, aliingia mule chini. Les gens disent wow. Watu wanalalamika. Mais comme Dieu m'avait dit tu n'enterres pas. Mungu aliniambia sema hautazika. Il est sorti sans histoire. Anatoka bila kilonda. Frère. Ndugu. Dieu est puissant. Mungu ni wa uwezo. Dieu est capable. Mungu ako na uwezo. Il est omnipotent. Ako na uwezo yote. Tu peux dire amen. Unaweza kusema amina. Tu peux dire gloire. Unaweza kusema gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. Frère Bwana dit ceci. Ndugu Bwana anasema hivi. Les gens en ont marre. Batman anachoka. Anoma. Bato basa kuchoka. De vous voir jouer à la religion. Kumiona, Mungu naonekanisha hali ya kidini. Anoma. Bana choka. Ils ont assez entendu dire. Basa kushikia sana banasema. Je suis presbytère. Oh, mimi niko presbytère. Je suis baptiste. Niko mbaptiste. Et je suis catholique. Oh, niko mkatoliki. Je suis pentecôtiste. Niko mpentecôtiste. Je peux ajouter. Mimi naweza kuongeza. Je suis branamiste. Niko mbranamiste. Je suis du message. Niko mhujumu. Les gens n'ont pas besoin de ça. Kile bato biko nako lazima aina ile. Les gens n'ont pas besoin de ça. Bato bana lazima na ile. Oh je suis chrétien. Oh minigo mo. Oh je suis Adam Tabernacle. Oh minigo mo fellowship. Oh minigo mo fellowship. No. Hapana. Ili sanoma. Bato basa kuchoka bile. Hey, les gens sont fatigués. Bato wanachoka.
Oh, je suis d'Amen Tabernacle. Oh, mini comme Amen Tabernacle. Je suis d'Élise Tabernacle. Je suis de la colonne de feu Tabernacle. Ni comme colonne de feu Tabernacle. Ils en ont marre. Bah, tu vas se couchoc. Ana bile bena tafuta. Branham dit. Branham a sema. Ce n'est pas ce dont les gens, le monde a faim. Aina ile dunia iko nayo njala. Ils ont faim du véritable pain de vie. Bah, tu peux konjala ya mukate ya uzima. Les gens ont faim. Bah, tu peux konjala. Du véritable. Ya mukate ya biakweli. Ya uzima. C'est quoi? Nini? Le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. En action. Mutendo. Amen. Des gens en ont marre. Bah, choka. Oh, je suis prédicateur. Oh, mini komubiri. Mais après, qu'est-ce que tu vas nous donner? Kisha maubiri yako, utatuletea nini? Oh, je suis tel. Oh, mini ko fulani. Oh, je suis de tel. Oh, niko mfulani. Je dis ça dans le message. Oh, nini safari yako kumi mwushume. Ah, tuende kule. Les gens en ont marre. Bah, mana choka. Branham dit. Branham anasema. Jésus a dit. Yesu alisema. Vous êtes le sel de la terre. Nyie mko chumvi ya dunia. Mais si la terre a perdu sa saveur. Sasa kama chumvi inapoteza onjo yayo. Ou plutôt si le sel a perdu sa saveur. Kama chumvi inapoteza onjo yayo. Il ne sert plus qu'à être jeté dans le à être jeté dehors. Aisaidia na kitu ila ba itupe tu nje. Si tu perds Christ. Kama unapoteza Kristo. Il ne sera pas utile aux gens. Hautasaidia tena batu. C'est vrai. Chez toi, on joue même pas. Les sorciers viennent passer me chiffre ta maison. Oui, quoi? Balozi ben encore chez un dans mon salon. Toujours les conduites. Chasser Jésus. Chez lui, conduite. Il y a des sorciers. Oh, mon nom, mais Balozi, quoi? Tu n'as même pas une petite puissance. Attaque à Ouezo, tout qu'il y a bon. Une petite présence, tu n'en as pas. Oui, pour tout, il y a bon. Il y a un anayo. Tout ce que tu fais, le diable bloque ça. Yo, tu es là, c'est un kufunga, ou tenke. Que tu vends même quelque chose, on bloque. On a tout de coucher, c'est un tubintu, c'est un anangi, à mon que tu chames le travail, déblocage. On a tout de cage, c'est un anafunga. On travaille même, on te chasse. Namukaji, mon yébana kwandam. Pourquoi ça? Tu es un biote bien. Est-ce que dans le cas, il n'y a pas Eli? Et Mukambi, amuna Elia. Dans le cas, il n'y a pas Eli. Mukambi, amuna Elia. Allez dire au roi que Eli est dans le cas. Mouma l'honne, son fond, Elia comme ça. Allez dire à Akab. Mouen, mon est à Akab. Que dans le cas, il y a Eli. Asama Mukambi, Mouka Elia. L'homme de la démonstration de la parole. Ce soir, il est votre Dieu. Vous êtes ses enfants. Vous avez droit à tous ces privilèges. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi ça? Le sel, c'est la saveur. Comme un chouvi, chouvi, mana yayo ni ile onjo yayo. Si le garde le contact, soyez simplement salé. Na, kama, muna penda kubakia vile, mukwe bale menye kwa na ile onjo. Le monde aura soif. Na pale, dunia itakuwa na mwe lazima. Toi garde Dieu, le monde viendra. Kama uko na Mungu, dunia itakufuata. Oui, ce n'est pas le temps de donner même les invitations. Aina wakati ataya kupelekana Jésus on les cherche sans invitation. Yesu baranza kumutafuta bila aliko. Là où il y a Jésus. Pale Yesu eko. Les gens sont derrière. Bantu batafuata. Là où il y a la manifestation du Saint-Esprit. Pale kukonekanisho wa Roho Mtakatifu. Il n'y a pas les efforts. Akuikalake nguvu. Frère. Ndugu. Je vis Dieu dans mon ministère. Niliona Mungu muhuduma yangu. À Bukavu. Kubukavu. Un papa qui avait le sida de 7 ans. Papa moi alikuwa na ukimwi asifanya miaka 7. Il était logé gardé là-bas à l'hôpital. Quand on a appris qu'il y avait un prédicateur qui est venu, il est venu pour que je prie pour lui. Je n'ai pas trop parlé à Dieu. Je lui ai tenu, j'ai dit que toutes les maladies qui sont à toi, qu'ils sortent. Le frère a dit, j'ai senti comme si je faisais caca. Il a demandé au diable, est-ce que je fais caca? Anauliza eti niko na buchafu humu mwangu. C'était le Dieu de la purification. Ilikuwa ni Mungu wa utakaso. Le Dieu qui sanctifie les sangs. Mungu mwenye eko na takasa damu. Il était à l'hôpital. Anaenda kwa hospitali. On a essayé. Anamupima. Négatif. Asikukue na ukimwe. Le docteur est venu avec lui. Daktari akakuja naye. Je veux voir le Dieu qui t'a guéri. Ninapenda kwenda kuona ule Mungu anakuponya. À cause de cela. Jo ile. Le docteur a cri. Docteur akaamini Mungu. Je m'avais dit Marc. Mungu aliniambia se Marc. Je te fais d'une manière que les gens, quand ils te regarderont, ils vont te douter.
Mais celui qui te croira comme mon serviteur, je le bénirai. Alléluia. Alléluia. Amen. Tabernacle. Amen. Maskani. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis. Soyez libérés. J'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai pas fait ce que les jeunes peuvent faire. Depuis 2002, je suis à l'œuvre de Dieu. Je n'ai jamais vu ce Dieu ici faillir. Peu importe la grande maladie que tu as. Ija pokuwa kabambi ya mambo ile uko nayo. Tu as à cette grande maladie. Amia ile malaria yako kabambi. Il y a un grand Dieu. Kuko Mungu mkubwa hapa. Alléluia! Alléluia! On ne peut pas parler de phobie si n'a pas le vrai. Hatuwezi kusema juu ya kibaya kama hakuna kizuri. Si ile maladie. Kama kuko magonjwa. Il y a le guérisseur. Kuko mponyaji. Et ce soir. Na magharibi ya leo. Si ile problème. Kama kuko shida. Il y a le tonnerre de la solution. Kuko analetaka jibu kwa mambo. Si ile blocage. Il y a un Dieu qui débloque. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Seigneur Jésus. Eh, Bwana Yesu. S'il y a la misère, kama ku komateso, il y a un homme qui bénit. Kuko Mungu mwenye anabarikaka. S'il y a la tension. S'il y a la tension, maladie de tension. Kama kuko magonjwa ya tension. Il y a un Dieu qui stabilise la tension. Kuko Mungu mwenye anashushaka ile tension muhali yayo. Et ce Dieu là aujourd'hui. Na ule Mungu leo. Il n'est pas au ciel. Ana kumbingu. Il est sur la terre. Eko pa dunia. Il est dans les hommes. Eko ndani ya bantu. Il est dans ses mandataires appelés. Eko ndani ya bantu. Alléluia. Alléluia. Si tu es malade. Kama uko mgonjwa. Au nom de Jésus. 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 Allez, que la maladie te quitte. Magonjwa ikutoke. Merci Seigneur. Accente bon. Merci Seigneur. Accente bon. Merci Jésus. Accente Yesu. Merci Elohim le plus fort. Accente Elohim mwenyezi. Merci le tout puissant conquérant. Accente mwenye uwezo yote mshindaji mkuu. Il est dans la salle quand je vous prêche ici. Eko ndani ya chumba wakati ngo na mhubiri hapa. Sa présence est déjà ici. Uwepo yake ulishakuwa hapa. L'infaillible. Washipo kushindwa. L'omnipotence. Wa uwezo yote. Dieu qui est derrière cette parole. Mungu mwenye kwa nyuma ya neno. Alléluia. Alléluia. Écoutez frère Branham. Na mushikie ndugu Branham. Il a dit. Alisema. Je suis allé en Inde. Nilienda ku India. J'aimerais qu'on lise cela. Mina penda tusome ile. Dans la prédication. Ndani ya mahubiri. Oh merci Seigneur. Oh asante Bwana. La foi. La foi transmise, oh c'est une seule fois pour toutes. Imani yenye yambukizwa kwa watakatifu kwa mara moja. Prêcher le 1er janvier, le 1er mai. Le 1er mai 55 soir. Mwaka 1955 magharibi. Paragraphe 37. Paragraphe 37. Ça c'est quoi ça? Ni nini ile? On adore comme si on n'adore pas. Tunaabudu, sasa tuabudu. On est du côté de Dieu comme si on ne croit pas Dieu. Tuko ngambo ya Mungu lakini iko saa atuamini Mungu mwenyewe. On prie pour nous, ces prières ne font rien. Bana tuombe lakini ile maombi bana tuombe haifanyi kitu. On fait des recommandations, il n'y a rien. Bana fanya maongozi lakini hakuna kia kabaila. Ou toi te sais Dieu. Au ni Mungu. Soit te sais Baal. Au ni Baal. Soit te sais Dieu. Au ni Mungu. Soit te sais Baal. Au ni Baal. Branham nous a dit. Branham nous a dit. Branham nous a dit. La colonne de feu ici. Guzo la moto ici. N'ira pas avec moi dans la tête. Aïe parce que la colonne de feu. Guzo la moto. Qui guérissait les malades. Le gonza, qui discernait les choses. Joy le qui faisait des grands miracles. Mais cette colonne de feu. La moto. Restera avec le message. Na le même Dieu. Mungu doit être écouté. Ana pasa kuwa. Un jour j'étais endormi avec mon épouse. Si comment le comment il na mke wangu. Et bien chérie, le ventre ça ne va pas. Tumbo huko hakuna namna. Tu peux prier pour moi. Unaweza kuniombea. J'ai dit non. Nikasema hapana. Je suis en train de me reposer. Niko napumzika. C'est où? Ni wapi?
Oh, sur ma ventre. Oh, ni pantumbo. Je fais seulement ça. Minafanya tu yivi. Quand j'enlevais ma main. Pale mire tosha tu mukona. Dieu est témoin. Mungu ni la douleur s'arrêta. Ma umivu kashimama pale pale. Il y a d'autres choses. Kuba bitu vingine. Tu ne demandes pas la prière. Abioma ta maombi. On ne peut pas prier toutes choses. Atoze kuombe bitu yote. Mais Jésus. Na ta Yesu. Ne priez pas tout le temps. Se kwaze kuomba kila wakati. Il y avait un moment il pouvait cette toile de mensonge. Kuba bingine se wembe mutabale. Wende. Il y a des temps Jésus parlait. Kuba wakati ngine Yesu alikuwa anasema. C'est lui toute chose, il faut gêner, il faut non, il faut plaire. Attaque mambo que bien bon, il faut pas que vous chapoule. Uko na ria ria nini? Fais montrer tes besoins à Dieu par la prière. On est ce mahitaji yako kwa Mungu kupitia maombi. Et il agira. Na atatenda. Tu plaire quoi? Uko na ria ria nini? Même si dans ta famille. Attaque mambo jamaa yeye. Il y a des combats. Uko na est-ce que ces combats sont plus que Dieu? Il est ma vie na mshindia Mungu. Mais tu as peur de quoi? Uko naongopa nini? Tu as peur de quoi? Kile uko naongopa ni kinini? Tu as perdu quoi? Frère, Ndugu, écoutez. Sikieni. Écoutez. Sikieni. J'ai prêché quelque part à Kalemi. Nirubiri fashima ku Kalemi. En face de l'église là, il y avait un féticheur. Mbele ya ile kanisa kulikuwa mchawi. On m'a raconté l'histoire, il y avait un pasteur visiteur qui avait prêché là-bas. Le féticheur là lui a regardé, il lui a fait pousser des esprits, il a chié à la chair. Bananyambia sema mwile mukanisa kuko mhubiri mwa renda kubiri ule mchawi anamwangalia anamtupia mampepo ule bwana anayamba kumibari. Le pasteur m'a dit quand tu es monté à la chair, quand tu es monté à la chair, il t'a encore regardé. Il a commencé à faire les choses comme ça. Après, il a disparu. J'ai compris que tu vas mourir à la chair. Mais je t'ai vu, Dieu t'utilise, tu discernes, tu montres même là où il y a les fétiches. Frère, on ne joue pas avec Dieu. La magie, c'est quoi? Les loges, c'est quoi? Que tu sois rose chrétien, que tu sois bouddhiste, c'est quoi devant le nom de Jésus? Le nom de Jésus a la puissance vivifiante, a la puissance de chasser les démons. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Si on va même avoir peur des magiciens, qu'on dépose la Bible alors qu'on s'assoit à la maison. Kama tunaanza kuongopa na bachawi, tutahubiri tena juu ya nini? Tuache tu mabiblia. Qu'on dépose la Bible qu'on s'assoit à la maison. Tuacheni mabiblia tuikale tu kunyumba. Akobo de mettre ces témoignages ici dans nos maisons. Itasaidia kunini kuweka hii maushuhuda ndani ya manyumba. C'est pour montrer que dans notre cas, il y a l'infaillibilité. Nijua kuonesha sema mukambi yetu kuko kiasho kushindwa. Zambi wetu wakwende nende machunda. Mungu wetu ni washuku vimba naye. Zambi wetu wakujisonende. Mungu wetu ni wakufanya naye vyeti. Zambi wetu wakuleshe kubatu. Ni wakuonesha kubatu. Elohim le plus fort. Elohim mwenyezi. L'arcangère c'est kule. Mwanza nkongolo wa marangi saba. Mutambe kwemba mutambe miyanu. Anashindia maarifa. Wachendele na mujifukaka ye. Ni wa milele mwenye alijumba ye peke. Zambi wa mukole bozo. Ni mwenye uwezo yo. Tu m'inquiète. Ni mtimankinda. Tu couches dans mon genou. Kuza la moto. Mwanje lo wachandele. Malaika wa milele. Sambi wanya nupendesha. Mungu wangu amibariki. Sambi anusulula. Mungu amifanya huru. Sambi anukuachisha. Mungu amisaidie. Je sais. Najua. Là où je me suis tenu. Pale ni shoshimamia. Il y a un frère à Kalemi chez Pasteur Baudouin. Un frère. On l'avait placé bien boutoumou, bien plastique. À Kalemi. Si tu te manges les fous, tu vas mourir. Je prêche. Dieu me dit, prends seulement l'eau que tu prends, la chair. Qu'il voit ça. Qu'il aille manger. Le frère dit, je vais mourir. Dieu, tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas. Les frères étaient allés, je dis qu'on te prépare les foufous avec la viande. Tu as fait beaucoup de temps de tu manges la bouillie. Mais dans le ventre, il y a un Dieu qui a placé les intestins. Un Dieu de la restauration. Mungu wa kurudisha upya. Ce qui est en plastique là. Yenye kwa ya plastiki. Ça va se transformer. Itabadilika. Le frère est à la maison, il a mangé. Ndugu anaenda kunyumba na kuri. Jusqu'aujourd'hui. Mpaka leo hii. Frère bien-aimé. Mapenzi. Branham dit. Branham anasema. Ne limitez pas la puissance de Dieu. Musiweke mipaka ku uwezo wa Mungu. Ne limitez pas. Musiweke mipaka. La puissance de Dieu. Uwezo wa Mungu. Qui croit
que Dieu est capable ici? Nani anaamini sasa Mungu anaweza hapa? Qui croit que Dieu est capable? Ni nani anaamini kwamba Mungu anaweza? Qui croit que Dieu est capable? Nani anaamini kwamba Mungu anaweza? Manifestez votre foi. Muoneshe imani yenu. Manifestez votre foi. Muoneshe imani yenu. Manifestez votre foi. Muoneshe imani yenu. Manifestez. Muoneshe imani yenu. Seigneur. Bwana. Marche. Tembea. Marche. Tembea. Marche. Tembea. Marche. Tembea. Marche. Tembea. Manifestez la foi. Oh, muoneshe imani. Oh Seigneur. Oh Bwan. Soit c'est toi. Ao ni wewe. Soit c'est Bali. Ao ni Bali. Si un catcher. Kama catcher. Peut démontrer la puissance. Anaweza kuonesha uwezo. De la magie. Ya uchawi. Il prend les sables. Anabeba tu bulongo. Il les change en sucre. Anaibadilisha mchanga inakuwa. Est-ce que nous ne pouvons pas changer la maladie à la bonne santé? Si hatuwezi kubadilisha magonjwa yanakuwa afya njema. La pauvreté. Umaskini. À la bénédiction. Inakuwa baraka. Les pécheurs. Mutenda dhambi. Devenir chrétien. Kwa Mkristo. Ce soir. Magharibi. Quel est Dieu? Mungu. Qui a visité Abraham? Mwenye alitembelea Abraham. Dans la chair humaine. Mwili wa binadamu. Qu'il vous visite. Amitembelee. Qu'il vous visite. Amitembelee. Au nom de Jésus. Mjina ya Yesu. Frère ici. Ndugu huyu. Tu as demandé à Dieu. Uliomba Mungu. Que Dieu te parle. Mungu apate kukusemezea. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni kweli? Dieu m'a dit. Mungu ananiambi. De te dire sois tranquille. Asema kwa kimya. Tu as besoin d'un changement de ta vie. Uko na lazima na mabadiliko mu maisha yako. Tu passes des moments très difficiles. Uko unapitia wakati wa nguvu. Tu as besoin de l'assistance de Dieu. Uko lazima na usaada wa Mungu. Beaucoup de choses ont échoué dans ta vie. Vitu vingi vinashindwa kana mu maisha yako. Dieu dit de te dire sois tranquille. Mungu ananiambia ni kwambie sema kwa. Maintenant c'est fini. Kunaisha. On ne peut pas pleurer tout le temps. Hawezi kuanza kulia kila wakati. Il y a un temps de semer. Uko wakati ya kuotesha. Il y a un temps de moissonner. Na wakati ya kuvuna. Il y a un temps de pleurer. Uko wakati ya kulia. Il y a un temps de se réjouir. Uko wakati ya kufurahi. Et le temps de se réjouir. Wakati wa kufurahi. Amen tabernacle. Namaskani. Le temps de se réjouir. Wakati wa kufurahi. Ce soir. Ni magharibi hii. C'est notre session. Ni wakati yetu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Je vois ces garçons. Mimi naona huyu kijana. On t'emballe. Bana kufunga. On t'emballe. Bana kufunga. On fait que toi tu ne sois rien dans la vie. Mnamo na kusema wewe ushokafanyaka. C'est toi qui as le tricot noir. Wewe Claude. Lève-toi. Shimama. Je vais en tambal. Mino na benye kukufunga. Pour que tu ne sois rien dans la vie. Wewe ushikwe kitu hata kimoja maisha yako. Même si tu étudies comment. Hata kama unafunda je. Ton diplôme ne n'est pas de l'importance. Cheti yako ya masomo haitakuwa na bei. Je te vois être abandonné. Mina kuona bana kuzarau. Mais Dieu me dit viens, viens te me saluer. Mungu anakuambia kuya unilamkie. Je me salue. Kuya unilamkie. Le Dieu qui change. Mungu mwenye anabadilisha. Au nom de Jésus Christ. Mjina ya Yesu. Regarde-moi dans les yeux. Unyangalie kwa macho. Au nom de Jésus. Mjina ya Yesu. Au nom de Jésus. Mungu Yesu. Que le Dieu que je sais. Mungu leo unatumikia. Te donne une nouvelle vie. Akupatia maisha mpya. Un nouveau destin. Akupatia maisha mpya. Au nom de Jésus. Mungu Yesu. Au nom de Jésus. Mungu Yesu. Au nom de lui. Mungu Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Tunaweza kushangilia nguvu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité de mort. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Zambi wakubi kila jachilu wakushu piko wewe. Mungu akuita wakati wa mambo. Shaba yamba. Vita hata kama iko ya je. Kuchi Yesu. Kwake Yesu iko teketeke iko nyepesi. Ocha ni chilobo. Yesu ndio shujaa wetu. O chilobo chanyi. Shujaa Yesu mkubwa. Oyo yo yo. Wa uwezo mwenye kushindia maumungu yote. Zambi yoso. Anashindia miungu yote yenye kwa chini ya jua. Est-ce qu'on peut dire amen? Tunaweza kusema amina. On peut dire gloire. Tunaweza kusema utukufu. On peut dire je crois cela. Tunaweza kusema amina amini ile. Allez soyez béni. Oh mubarikiwe. Soyez béni. Mubarikiwe. Soyez béni. Mubarikiwe. My. Hey my.
Hata vita huko naye banasema ni ya nguvu je. Kuji Yesu mipepele. Mbele ya Yesu iko nyepesi. La foi transmise au Saint, c'est la foi pour toutes. Imani yenyewe iliambukizwa kwa watakatifu kwa mara moja. Prêcher le 1er mai 55. Il ne cubra mutaria kwanza mwezi wa 5. Paragraphe 37 frère Banamti. Paragraphe 37 ndugu Bama anasema. Quand j'étais arrivé en Inde. Wakati nilifika ku India. Écoutez frère Banam. Mushikie ndugu Branham. Quand j'étais arrivé en Inde. Wakati nilienda ku India. Les évêques méthodistes et beaucoup d'autres sont venus m'attendre là. Waskofu wa Methodist na wengine walikuwa kunichunga pale. Quand je suis arrivé en Inde moi Branham. Mimi Branham wakati nilifika ku India. Pour évangéliser. Jua kupasha injili. Les évêques méthodistes sont venus. Waskofu wa Methodist walikuja. Ils m'ont attendu à l'aéroport. Wakanichunga kule ku. Et ils ont dit. Wakasema. Frère Branham. Ndugu Branham. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Wakasema nini? Écoutez. Tumusikie. Écoutez. Musikie. Nous qui allons prêcher. Un jour on nous posera la question. Un jour on va nous demander. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Anasema hivi. Oh, ils sont venus, ils ont dit. Wakakuja na wakasema. Frère Branham. Duku Branham. Nous avons déjà entendu ces choses. Tusa kushikia kaibi bintu. Tout ce que tu veux venir nous prêcher là. Ibi bintu napenda kwa kutubiri. On nous a déjà prêché ça. Tusa kutubiria kaabio. Tout ce que tu veux nous dire là. Il y a des bons prédicateurs qui nous ont prêché ça. Tout. Écoutez. Nous avons prêché la parole. Nous, les méthodistes, nous avons prêché la parole. Nous savons peut-être plus sur la théologie que vous les Américains. Tunajua marangine, tunajua mambo ya kuhubiri neno hii. Tunajua marangine kumishindia mwe ba America. Nous savons bien parler français. Tunajua kusema Faransa mzuri. Nous savons bien parler l'anglais. Tunajua kusema Ungereza. Nous savons la connaissance de la parole. Tuko na ujuzi ya neno. Plus que vous les Américains. Kumishindia mwe ba America. Mais tu es venu ou je suis venu évangéliser. Unakwaza mimi nakwa kupasha injili. Branham anasema. Oh, il continue dit. Banaendelea kusema. Parce que la Bible c'est un livre oriental. Biblia inakuwa ni kitabu kutoka kule ngambo ya asubuhi. C'est juste. Ni kweli. Branham anasema. Ils ont dit. Akasema. Il a dit. Akasema. Mais nous voulons. Lakini tunapenda. Nous voulons voir quelqu'un. Tunapenda kuona mtu mwenyewe. Qui est loin du Saint-Esprit. Mwenye kupakaliwa na Roho Mtakatifu. Qui peut faire vivre encore cela. Mwenye anaweza kuleta uzima pa ile. Nous voulons voir un homme. Tunapenda kuona mtu. Rempli du Saint-Esprit. Mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Qui peut faire vivre la Bible. Mwenye anaweza kuleta uzima juu ya Biblia. Par la théologie. Hapana majifunzo. Nous avons déjà prêché. Majifunzo tusha kuhubiri. Peut-être. Marangine. Nous parlons avec beaucoup de fautes en français. Tuko nasema na makosa mingi mu Faransa. Mais nous avons besoin de quelqu'un. Lakini tuko lazima na mtu. Qui peut faire vivre la Bible. Ule anaweza kuleta uzima ama kurudisha jupi ya Biblia. Marc 16. Marc 16. Quitte l'autorité réelle. Na unasema ile auto inakuwa ya bya kweli. Jean 14 12. Yohana 14. Quitte la théorie. Inatoka mu mwenye msemo. Inakuwa maisha ya kupapasa. Qui est loin du Saint-Esprit? Qui peut faire vivre encore cela? Ule anaweza kurudisha jipya ile mambo. Voilà, Branham dit, voilà la chose. Ndio msenjo mambo ile. Il dit nous voulons quelqu'un. Na sasa tunapenda mtu. Qui peut produire ce que la Bible déclare? Ule mwenye anaweza kutenda ile Biblia inasema. Il y avait une sœur, moi j'étais allé visiter mes parents. Oh, nilienda kutembelea bazazi yangu. Il y avait une sœur. Kukulikuwa dada moja. Dans la parcelle là où habitent mes parents. C'est le sœur de mon église. Moi je ne savais pas qu'elle était malade. Moi je suis un homme, celui qui connaissait c'était Dieu. Mais quand il m'a vu, elle est venue vite vite. Anakuwa mbio mbio pale. Elle m'a tendu la main. Or, j'étends la main difficilement aux gens. Ananiloyosha mkono. Mimi na la mkiaka bantu mkono. Il dit, pasteur, saluez-moi. Asa pasteur, on est la mkie. Mon papa, saluez-moi. Oh, papa, on est la mkie. Quand je l'avais salué. Pale miri mula mkie. Elle fait retirer. Il dit, papa, j'étais malade. Quand tu m'as salué, quelque chose s'est passé dans mon corps. Anasema nilikuwa mgonjwa. Pale unanilamkia. Kuko kitu kenye kinatendeka mu mwili yangu. Amen le tabernacle. Amina maskani. Faites confiance à Dieu. Mutumainie Mungu. Acquittez l'incrédulité. Mutoke mukutokuamini. Dieu est réel. Mungu ni wa kweli. Dieu de Branham est vie encore. Mungu wa Branham yuko mzima. Dieu de
akulumane vie encore. Mungu akulumane kona ishi. Dieu de Baruti vie encore. Mungu wa Baruti kona ishi tena. Mungu wa Elize ni mzima. Mungu wangu yuko hapa hii magharibi. Ça c'est quoi? Ni nini? Ça c'est quoi? Ni nini ile? Nous voulons quelqu'un qui peut faire vivre encore cela. Tunapenda ule anaweza kuleta Biblia. Nous voulons quelqu'un qui peut produire. Tenda. C'est que la Bible déclare qu'il produira. Biblia inasema kwamba mtu atatenda. Voyez c'est ça. Jo ile. Branham dit. Branham anasema. Nous les lumières du soir. Si sasa mbenye kwa miangaza ya magharibi. Est-ce que nous sommes les lumières du soir? Eti tuko miangaza ya magharibi. Nous sommes les lumières du soir. Sisi tuko nuru ya magharibi. Branham dit nous les lumières du soir. Branham anasema sisi mbenye kwa nuru ya magharibi. Nous devons avoir la force de faire descendre Dieu. Tunapaswa kuwa na uwezo ya kumshusha Mungu mkiwanza. Anapa kulalamika. Ce n'est pas seulement crier. Satan au Seigneur, Seigneur non. Oh bwana bwana bwana. Hapana. Nous devons avoir la force. Tunapaswa kuwa na uwezo. Umubikiru fweka. Tunamuita anashuka pakiwanza. Unamuita anashuka. Tunamuita anashuka. Branham dit c'est notre domaine. Branham anasema njoo kazi yetu. Les lumières du soir. Sio benye kwa nuru ya madio ya dioni. Je lis cela. Mwache nisome kwanza ile andiko. Il me reste 2 minutes. Unanibakilia dakika 2. Oh. Oh. Pendant la semaine il n'y a pas beaucoup de temps. Mu wiki amkuwa. Dans la prédication, n'ayez pas peur. Ndani ya mahubiri msiogope. Prêchez le 20 juin 52. Yenye kubira mtare 20 mwezi wa 6 paragraph 67. Paragraph ya 67. Ça c'est quoi ça? Ni nini ile? Depuis dans sa combat, Mungu ashakujibwaka. Depuis que tu as commencé à prier, Dieu ne t'a jamais écouté. Unaomba unalia na kulia. Tu pries, tu pleures même. Il n'y a pas la réponse. Hakuna jibu. Or que toi la lumière, les lumières du soir. Japo wewe uko nuru ya dioni. Vous devez avoir la puissance, l'attraction de le faire descendre. Uwezo ya kumkokota anashuka mkiwanza. Anashuka. Il descend. Oh Seigneur. Eh hey, Bwana. Paragraphe 67. Paragraphe 67. Branham dit. Na et nous voyons venir les lumières du soir, les lumières au pluriel, les lumières du soir. Magharibi. Nous sommes les lumières du soir. Si c'est tout comme nuru ya magharibi. Les enfants sortis dans le ministère des frères Branham. Watoto wenye kutoka muhuduma ya ndugu Branham. Qui font la relais, le relais du message. Wenye wako naendelesha na ujumbe. Nous les lumières du soir. Si c'est manuru ya magharibi. Nous les croyants de ce message. Si tuamini fa hii ujumbe. Ndio. Et nous voyons venir la lumière du soir. Tunaona manuru ya jioni nakuya. Le Saint-Esprit vena avec une telle force. Roho Mtakatifu mwenye kuya na uwezo. Sur son église. Juu ya kanisa yake. Que le ministère de Jésus-Christ. Ya kusema huduma ya Yesu Kristo. Faisant le discernement. Mwenye kufafanua. Au milieu de tout son peuple. Katikati ya taifa yake yote. Ils étaient là avec une foi. Walikuwa pale na imani. Pour les faire descendre. Juu ya kumshusha mkiwanza. Les lumières de sous du soir. Wale wa nuru ya magharibi. Ils étaient là. Walikuwa pale. Avec la foi. Na imani. De faire descendre. Ya kushusha Mungu mkiwanza. Frère. Ndugu. Kwaya wangu yule. Mon croyant est là. Mwangu mkanisa shijikake vile. Moi dans mon prédication ya funérailles. Non, je n'ai pas de prédication de funérailles. Frère, on va se voir dans la gloire, non? Oh, ndugu tutaona. Il a encore besoin de vivre. Ingali lazima na kuishi. Il a besoin aussi de voir ses enfants. Angali lazima na kuona naye batoto yake. Il a besoin de voir sa femme. Angali lazima na kuona mke wake. Il y a aussi une dérogation que tu fais à tes enfants. Bon, kuko ile dérogation ile anapaswa kufanya batoto yake. Le roi Allah t'avait demandé 15 ans, tu lui avais donné. Ule mfalme Ezekias alikomba miaka 15 ukampatia. Il y a une sœur. Kuko dada moyo. La sœur Dorcas. Dada Dorcas. Elle est vieille de 63 ans. Ni dada moyo wa miaka 63. Elle m'avait acheté une voiture. Alinuziaka gari. Je regarde. Nangalia. Qu'est-ce que je peux donner aussi à cette sœur? Oui, dada, ntamupatia nini? Elle m'a acheté une voiture. Ananyuzia motoka. Mais qu'est-ce que je peux aussi lui donner? Sasa mimi naweza kumpatia nini? Le Saint-Esprit. Rome elle a déjà ça. Eko nayo. Je pars à la montagne. Mimi naenda kumulia. Je prie. Naomba, mimi naomba, mimi naomba. Au retour. Mukurudia. Quelque chose me dit ajoutez-lui des jours. J'appelle sœur. Dada, je vais te donner. Tu veux vivre combien d'années? Papa n'isait que tout ça, Anna. Donc que je vieillisse tellement. Elle dit, toi, tu vas mourir seulement quand la colonne vertébrale va se courber.
nikamwambia sema wewe utakufa paka ile colonne vertébrale na kunjama. Tu auras 90. Utaendesha miaka 90. On a dit cela, c'est fini. Tukasema tu vile. Premier jour. Siku ya kwanza. Maman bo kuzeka, maungu shambuleke. Une vieille maman, le corps. Troisième jour. Siku ya tatu. Anona mwili yake inaanza kutotoka. Elle a vu son corps ici commencer à se métamorphoser. Mangoji yote ya mwili inaanza kutoka. La peau commence à se détacher. Dieu l'a fait rajeunir. Mungu anamrudisha mupya. Si vous la voyez aujourd'hui. Mukimuone leo. Tu ne seras pas qu'elle a 64. Au tu dis que c'est mieux qu'on a miaka 64. Dans le monde surnaturel. Mumwe mukimu ule mwana. Il y a de grandes bénédictions. Comme baraka kubwa. Votre Branham a dit. Branham anasema. Le ciel a de bonnes choses. Mbingu iko na vitu vizuri sana. Le ciel est plein de bonnes choses. Mbingu ni yenye kujazwa na vitu vizuri. Moi je vais entrer dans les véhicules. Mimi napenda kuwa na gari. Que lui vous pouvez entrer vers son mari. Ile yeye anaweza kuingia na bwana yake. Mais il m'a donné en qualité de serviteur de Dieu. Ananitolea hayo sasa hivi niko mtumishi wa Mungu. Qu'est-ce que je peux lui donner aussi? Mimi naweza kumpatia nini? Frère. Lou. Tout ce que vous faites au nom du Seigneur. Yote ile kunafanya mundina la bwana. Dieu vous récompensera. Mungu atamilipa. Je vous dis la vérité. Namiambia ukweli. Dieu vous récompensera. Mungu atamilipa juu ya ile. Oh Seigneur. Hey, bwana. Oh Seigneur. Hey, bwana. Oh Seigneur. Hey, bwana. Écoutez ici. Sikieni hapa. Pour terminer. Jua kumaliza. Branham dit. Branham anasema. Ils ont une telle puissance. Sabeko na uwezo. Pour le faire descendre. Uwezo sana ya nguvu jua kushusha Mungu mkuu. Pour terminer, je lis ceci. Jua kumaliza mimi nasoma hii. Nous les lumières du soir. Chie manuri ya magharibi. Tu crois que jua kumshusha. Nous sommes là pour le faire descendre. Si unakimbilia hapa. Si tu viens ici parce qu'il fâche ni ka ma urgence parce que ici c'est un lieu d'urgence là où tu as conjugué les efforts tu as échoué on a fanya nguvu yako yote unashindwa il y a un endroit des urgences huko fâche ya mambo ya haraka c'est dans la présence du Seigneur nimuwepo ya Bwana et ici hapa tu peux ça faire yote inawezekana hata ushiki yake même si tu n'entends pas dimanche tu vas entendre musiku ya yenga utasikia. Il y a une sœur née avec Rishiko Moya et quand kushikia. Kuko dada Moya Barmuzala inorena Moya irazo kushikia. Et l'autre entendait. Bwana yake anakuwa mkanisa anaweza kujiprendre. Son mari est venu dans mon église et il a commencé à se plaindre. C'est la sœur Clémentine la femme de papa Gile. Ni dada Clémentine bibi wa papa Gile. Rishiko Moya depuis le ventre de sa mère. Tangu alizaliwa kama tumbo ya mama yake. N'écoutez pas. Ile sikio moya kwanza kusikia. Elle est venue. Nous avons prié. Tukaomba. Quand on a prié, kisha kuomba. Dieu a restauré les tympans. Mungu anarudisha mpya tympans. Ça, les spécialistes de ce corps, c'est Dieu. Na mula anajua sana mambo ya hii mwili ni Mungu. La médecine peut faire l'étude, ils vont se limiter. Baminganga ba mudunia banaweza kujifunza, lakini peko na mpaka. Celui qui connaît là, il faut toucher. Ule anayua fasha kugusa ni Mungu. Le grand médecin. Munganga mkubwa. Le grand chirurgien. Ule munganga mkubwa. Le grand docteur. Daktari mkubwa. Le grand spécialiste. Spécialiste mkubwa. Le spécialiste des spécialistes. Spécialiste wa ba spécialiste. L'homme de Galilée. Mtu ku Galilaya. La rose de Sharon. Oh, rose. L'étoile brillante du matin. Yeye mungnyota kwa kazi ya Mungu. Mungu muweza yote. Il opère sans bisturi. Eko na pasola bila kisu. Li l'ordonne seulement. Ye anaamuru tu. Il ordonne seulement. Anaamuru tu. Aujourd'hui. Leo. Il n'a pas d'autre main que nos mains. Ana na mikono nyingine ila hii mikono yetu. Il n'a pas d'autre bouche que nos bouches. Ana na kinywa kingine ila kinywa yetu. C'est pour cela dit qui vous reçoit me reçoit. Ndio pala risema. Ula tempokana ana. Qui vous donne le même verre toi il m'a donné moi. Ula nipatia kilauri ya maji ni mie ndio anapatia. Je termine avec ceci. Namaliza na. Je vois que tu es un prophète. Ndani ya mahubiri mimi naona sio kwa nabii. 14 juin 53. Ni kubira mtarehe 14 mwezi wa 6. Paragraph 50. Paragraph yake ya 15. Le vendredi venez à jeûne. Musiku ya kazi tano mkule benye kufunga chakula. Mange seulement du riz, le fufuno. Mkule tu wali, msikule bukari. Il y a un grand événement que nous préparons le dimanche. Kuko mambo makabambi yenye tuko na tayarisha. Je prépare le terrain. Niko na tayarisha kiwanza. Paragraph 50 frère bana mdi. Paragraph ya 15 ruba masema hivi. Mais ce groupe de ces gens. Lakini nkunje hapa bantu. Ce groupe de ceux que nkunje hapa. Les gens d'Arkansas. Bantu bakule kwa Arkansas. Qui se tenait là? Benyeba alizalika kule. Et qui avait village de Dieu venir au milieu. Na benyeba aliona malaika wa Mungu anakuja katikati yao. Ont essayé de toucher ces vieux
ce vieux manteau en lambeaux. Bali pima kugusa hii koti yenye isha kuchuika. Et tous ceux qui touchaient cela. Na bote bali walikuwa nagusa ile koti. Était guéri. Bali kwa naponeshwa. Non pas parce que c'était un manteau à lambo. Aina juu ilikuwa ni koti moja zamani isha kuchuika. Mais parce qu'il croyait Dieu qui était au milieu de. Lakini juu bali kwa naamini Mungu ule alikuwa katikati yabo. Branham ndi. Branham anasema. Laissez-moi dire ceci ce soir. Mwache niseme hii jioni ya leo. Il se peut que je ne porte pas ce vieux manteau à l'amour. Inawezekana nishivale ile koti ya zamani yenye kupasuka. Mais le même Dieu. Lakini Mungu moja moja. Qui était là ce soir là? Mwenye alikuwaka pale ile siku. Et ici ce soir. Eko hapa hii magharibi. Pour faire la même chose. Ndio kufanya kitu moja moja. Ce soir je ne suis pas Paul. Hii magharibi mimi siko mzuri. Je ne suis pas Branham. Mimi siko Branham. Je ne suis pas qui ce soir. Mimi siko mtu yoyote. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Mais le même Dieu. Lakini Mungu moja. Qui a travaillé avec Paul. Mwenye alitumikia na Paulo. Qui a travaillé avec Pierre. Mwenye alitumika na Petro. Qui a travaillé avec Baruti. Mwenye alitumika na Baruti. Il est ici avec moi. Eko hapa na mie. Est-ce que vous croyez? Eti munaamini? Est-ce que vous croyez? Eti munaamini? Est-ce que vous croyez? Eti munaamini? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut manifester sa foi? Eti kula anaweza kuonesha imani yake. Il y a quelqu'un qui peut manifester sa foi? Kula anaweza kuonesha imani yake. Il y a quelqu'un qui peut manifester sa foi? Kuko kula anaweza kuonesha imani yake. Soyez bénis. Mubarikiwe. Je passe seulement. Mitapita tu. Que l'ange vous visite. Malaika mitembelee. Que ce soir. I magharibi. Soit pour vous une soirée particulière. Ikwe yenu magharibi ya upekee. Que ce soir. Magharibi ya leo. Soit une soirée. Ikwe magharibi moya. Qui n'a jamais été auparavant. Yenye haya fanikaga mbele. Que votre sortie ici. Mukutoka kwenu hapa. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Utukufu wa Mungu imisindikize. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Utukufu wa Mungu imisindikize. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mama, tu as beaucoup de problèmes, Dieu va te parler. Mama, uko na mambo mingi sana, Mungu atakusemezea. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tunaweza kumshangilia Bwana. Il est vivant. Eko mzima. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus-Christ. Que ce soit. Magharibi ya leo. Celui qui était lié soit délié. Ule alikuwa mwenye kufungwa afunguliwe. Celui qui n'avait plus de l'espoir. Ule asikuwe tena na kitumaini. Reçoit l'espoir. Apokee kitumaini. Celui qui avait l'insomnie. Ule mwenye alikuwa na kukosa usingizi. Reçoit un sommeil paisible. Apokee usingizi ya kimya. Celui qui était visité par le monde des ténèbres. Ule alikuwa anatembelewa na mapepo mchafu. Que l'ange soit au contrôle. Malaika bebe ulinzi. Alléluia. Hallelujah. Celui qu'on a lié dans le monde des ténèbres. Ule alifunga mulimwengu ya giza. Je te délie, je te ramène vivant. Kufungula na kurudisha huru. Que le Dieu qui est à moi. Mungu mwenye kwa ndani mwangu. Vous visitez. Amitembeleye. Vous fassez du bien. Amitendee mema. Au nom de Jésus Christ. Mujina ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Croyez à la prière du serviteur de Dieu. Est-ce que vous acceptez de recevoir tout ce dont Jésus nous a donné ce soir? Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?